a eu l'honneur de vous représenter à une séance de travail à l'ambassade de France avec un groupe de sénateurs français. Cette délégation était conduite par la communauté nationale d'Adjana-Boujérif, comprenait trois membres du bureau politique national et un membre des partis alliés, à l'occurrence le Dr Salim Bella. À l'invitation donc du groupe parlementaire d'amitié France-Guinée, trois sénateurs français séjournent depuis quelques jours en Guinée et qui ont eu des contacts avec les autorités du pays. Dans le cadre de leur mission de travail, une invitation nous a été adressée. Et le parti a pu devoir répondre à celle-ci, à votre nom, compte tenu de l'excellence des rapports d'amitié et de coopération existants si heureusement entre la France et la Guinée, et surtout qu'il ne vous souviendra que la France a été solidaire avec notre peuple dans la dure épreuve que nous avons eu à mener il y a 2 ans. Contre la fièvre à virus Ebola. Quand certains pays africains ont fermé nos frontières, la France était avec nous. Air France était tout le temps ici, nous n'avons jamais été coupés du monde et nous avons bénéficié également de leur appui. En votre nom, à retour, nous avons adressé toute notre connaissance pour ce acte humanitaire et amical. Et réitérer notre volonté de diversifier notre coopération avec la France dans tous les domaines. Dans les discussions, les sénateurs français ont souhaité savoir quelle était la position du RPG arc-en-ciel face à la situation politique, notamment à la question de relance du dialogue politique. Nous leur avons dit que le RPG arc-en-ciel est un parti dont la vocation est de rassembler tous les Guinéens sous sa bannière pour renforcer l'unité nationale, renforcer le lien de fraternité et d'amitié entre nous tous. N'avait pas d'autre créneau si ce n'est d'ouvrir les portes du dialogue et travailler franchement et loyalement avec tous les fils de ce pays, quelle que soit leur obédience. Et vu par les grandes idées développées par le président de la République, quant à la promotion du dialogue politique à Guinée, le RPG arc-en-ciel et son parti ne peut que se battre dans le cadre de la prospérité et dans le cadre de l'accroissement constant de cette vision du chef de l'État tendant à faire des Guinéens des hommes conscients, responsables, qui acceptent de se parler et de laver le même slave à la famille. Et c'est pour cette raison que malgré l'existence de cadres légaux, de dialogue, notamment l'existence d'une assemblée nationale démocratiquement élue, où siège pratiquement la majorité des partis politiques qui sont sur le territoire national, qui sont légalement agréés, et malgré l'existence du Conseil économique et social, qui est notre cadre légal de dialogue, nous ne sommes pas opposés à ce que d'autres structures puissent mettre autant que de besoin pour promouvoir l'échange de vues, promouvoir le débat contradictoire et renforcer les bases de la démocratie participative et inclusive à Guinée. Sinon, nous n'accepterions jamais d'aller dans un autre cadre d'alors qui n'est pas légal. Mais par souci d'ouverture, de largesse
et de l'acceptation des autres, et surtout pour renforcer la cohésion sociale, la paix et la concorde en Guinée, le RPG est disposé à tout moment d'aller au dialogue avec qui le veut sur n'importe quelle question de la vie nationale. C'est ce que nous avons dit aux sénateurs français à votre nom. Nous sommes bien sûr en train de préparer nos argumentaires pour le lancement de ce dialogue politique. Nous n'avons pas détaillé tout ce que nous avons dit comme argument de contre-proposition en fonction de nos idéaux aux sénateurs français. Nous n'avons pas également rentré dans le détail des éléments que nous avons développés avec brio par le camarade Koumara et par le camarade Ali Sangaré, pour ne pas nous affaiblir lors du début de la négociation. Donc, pour question de stratégie de négociation, je ne vais pas m'étaler sur tous les détails, mais soyez sûrs que dans notre sac, nous avons des arguments solides et nous sommes sûrs que vos préoccupations vont triompher lors des négociations qui vont s'ouvrir très bientôt. Mais c'est maintenant ce que les Français ont pris bonne note du briefing que nous leur avons fait et des réponses qui ont été données à toutes les questions qui nous ont été posées. Sans gueule de bois, ou parlons sans mal de bois, nous avons sincèrement déroulé notre volonté ardente de voir tous les Guinéens s'accepter et accepter de venir avec nous, travailler avec nous, comme l'a montré le chef d'État ces derniers temps, en tendant la main à toute la classe politique, notamment à l'opposition dite républicaine, pour les amener à nous accompagner dans la mise en œuvre de notre programme de société dans l'intérêt exclusif du peuple guinéen. Et nous sommes sur cette lancée. Je vais vous rappeler que, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'un sénateur, les sénateurs en France sont des représentants élus des structures décentralisées, des régions, des communes qui siègent au sein du Parlement, parce que le Parlement français a deux chambres. La Chambre des Sénats et des sénateurs et la Chambre des députés. Et le rôle du Sénat, c'est de voter au sein de l'Assemblée nationale les lois de la République. Et quand l'Assemblée nationale ne veut pas voter une loi sans l'avis des sénateurs, vice-versa. Et quand il y a divergence entre le Sénat et les députés, l'Assemblée nationale, c'est le premier ministre qui est issu de la majorité, qui tranche et demande à l'Assemblée de légiférer. Et le Sénat a son siège au palais de Luxembourg. Pour ceux qui ont été en France, pour ceux qui n'ont pas été en France, le siège est au palais de Luxembourg, alors que l'Assemblée nationale, les députés sont au palais de Bourbon. Et c'est ce que l'on appelle à Sciences Po ou à droit constitutionnel le bicaméralisme. Alors que contrairement à Guinée, nous n'avons qu'une seule Assemblée nationale, une seule chambre, monocaméralisme. Donc, c'était tout juste pour mettre tout le monde au même niveau d'information. Et les sénateurs français nous ont témoigné également leur entre la Guinée et la France, et on souhaitait rencontrer nos militants, nos responsables, chaque fois que nous serons de passage en France, pour échanger avec nous et voir dans quel cadre ils peuvent nous apporter un appui dans le cadre de développement économique et social et dans le strict respect de l'enfoncement.
ici un programme de succès et soyez sûrs qu'ils ont été satisfaits de ce